Bonjour tout le monde, et spécialement tout le monde Grand Colline, bienvenue dans la deuxième sortie émission On Parle Tech. J'en ai tout nous connaissons, On Parle Tech, c'est une émission que RDC mettait sous pied, sous plateforme, pour permettre que nous sommes capables de garder les outils techniques, et nous capables d'informer nous sur tout ce qu'il y a avec technologie, nous capables d'échanger avec jeunes dans la communauté, à tout qui dans le domaine ça, et l'autre jeune qui est capable d'inspirer jeunes mieux évoluer dans ça. Alors, c'est tout ça que nous avons fait ensemble. Parfois, l'émission libre aller vers responsable l'école, libre aller dans la santé, libre aller dans l'éducation, quel que soit le domaine, pour nous voir vraiment comment la technologie a capable de nous plus efficace. Dans la première sortie, nous avons aller pour responsable école, directeur l'école. Nous te montrer comment ils sont capables de faire déclaration l'école sous ministère. Dans la deuxième sortie, qui c'est aujourd'hui, nous avons toujours été dans l'école, mais nous allons aller pour élève l'école. Nous connaissons une chose qui est vraiment comme c'est difficile dans l'aspect ça pour question élève l'école, c'est prendre un document et puis légaliser document. C'est un qui est extrêmement compliqué. Mais les mêmes toutes les plateformes que le ministère de l'Éducation nationale, à travers le site web, il y a une possibilité que les élèves soient capables de prendre le document ça directement en ligne sans pas besoin d'aller dans le site Port-au-Prince. Malgré nous allons voir ça, il y a des petites limites là-dedans, que nous ne connaissons pas vraiment tout le détail de ça, mais nous allons voir ensemble comment ça est capable de faire. Pas oublier, l'émission ça, c'est TECED qui est en collaboration avec RDC qui peut être pour. TECED, c'est là, je tout connais, nous avons tout service. Événements en ligne, les nous avons funérailles, nous avons fait communion la caïnou avec RDC, nous avons mis en collaboration pour permettre que tout le monde à l'étranger capable de suivre l'événement. Nous avons des assistances en technologie, c'est-à-dire des assistances privées, si vous travaillez ou besoin de faire tout ça, on est capable d'accompagner pour joindre des assistances pour ça. Et surtout, nous avons une plateforme de Store qui aide à joindre tout matériel, laptop, support laptop, un backup là tout qui est assez intéressant. Et support téléphone, tout ça, des matériels qui sont vraiment capables de joindre pour être plus efficace et plus sûr que vraiment quand on achète là, on est capable de bien suivre, c'est un bon souci là-dedans. On nous entre dans le fond document. Nous dit deuxième vidéo, ça, libre à aider nous, comment pour élèves prendre diplôme et surtout prendre le même tout légaliser à travers la plateforme éducation nationale pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Première étape là, c'est aller dans ce site là qui c'est menfp.gouv.ht. C'est site officiel ministère de l'Éducation nationale là. Là on aller sous lui pour venir présenter Jean ou venir présenter devant là. OK? Then, mais ça qui intéresse nous aujourd'hui c'est ça, c'est BINEX, Bureau National des Examens d'État. Donc cliquez sur BINEX ça là maintenant sur deuxième page. C'est deuxième page ça qui gagne tout ça au capable de faire. Par exemple, il y a un côté pour faire inscription, ça va concerner les élèves. Nous gagnons un côté pour nous donner un résultat baccalauréat. Monsieur qui est en pile dans nous-mêmes élèves, nous habitués avec partie ça déjà, parce que nous comptons prendre un résultat baccalauréat nous sous lit. Ok, par exemple, quand il y a un résultat bac février 2023 qui est disponible sous lit là, il y a un monde qui est en permanent NS4 ou bien permanent philo, nous permanent au cas où nous prenons un résultat là. Ça qui intéresse nous là, c'est e-document. E-document, e-certificat, certificat en ligne, je nous capable là. C'est là que nous capable prendre certificat nous gagner. Nous avons un exemple là que nous allons faire avec Yon pour l'année 2016. Et d'après l'expérience, moi, je fais pour 2016 les marchés, 2015 tout, et les marchés. Nous avons essayé pour 2021 pour Kowel. Ça m'a pas dit est-ce que ces documents ou bien données qui sont disponibles automatiquement sur la plateforme qui fait 2021 pas de marché. Son jeune communauté actuellement de prendre les documents pour lui. Nous avons essayé malheureusement de pas de marché pour l'année 2021. Ça veut dire que ça qui arrive, l'information est là selon l'année là où je ne ou pas jeune. Ça nous-mêmes nous fait. Même sûr qu'il y a des gens qui vont l'intéresser et puis ça capable de servir. Première information, l'a monté, je m'en où elle a la donne 5 parties. Première partie, c'est côté qui a information personnelle là. Première partie, c'est côté qui a information personnelle là. Ça veut dire, les malais sous l'île. Les bambouins, année participation, hein, où elle gagne de 1980 jusqu'à 2022. La donne. OK? Et nous avons fait un exemple avec 2016. C'est l'information pour lui là. Nous allons voir ça le bail. Et deuxième information, on va mettre ces matricules là. Matricules là, c'est ça où est le numéro d'autre là. OK?
c'est lui-même qui m'a mis. Je vais mettre matricule pour ça m'a fait à là. Ok, je vais suivre avec moi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Après, ça m'a mis le nom de famille et ça m'a rempli là. Je vais mettre le prénom là. Et puis, je vais mettre le numéro de téléphone. Et puis, là, je vais faire ça, je vais cliquer sur rechercher. Voilà. Il dit que l'icône est Mounsa, qui c'est Stéphanie Emmanuel Toussaint, il dit la date de naissance, il dit qu'il a participé dans l'examen bac. Il dit oui, Mounsa a participé dans l'examen bac en 2016 et il était joint note 1319 sur 1700. En fait, c'était lauréat départemental Nord-Est. Il a demandé plusieurs options. Il dit est-ce que c'est relevé de notes seulement besoin prend, la 150 gouttes. Est-ce que c'est certificat seulement, la 250 gouttes. Est-ce que c'est relevé de notes avec certificat, la 400 gouttes. Est-ce que c'est relevé de notes légalisées seulement, la 250 gouttes. Est-ce que c'est certificat légalisé ou bien est-ce que c'est relevé avec certificat légalisé, la 554 gouttes. Ou bien c'est certificat relevé de notes pour légaliser non mais pour légaliser non ministère affaires étrangères. Nous on doit être toute mise ça qu'on passe ou prendre document ou à légaliser le ministère après ça pour légaliser le ministère affaires étrangères mais là on a résolu tout avec un seul clic ou résoudre tout bagage. Même ma dernière option qui va mon full package et puis me faire continuer. Lorsque faire continuer, il y a plusieurs options. Ouais, on peut payer par un service gratuit, on peut payer par carte de crédit, on peut payer par mon cash, on peut payer par notre cash, on peut payer par BNC. Bon, et comme pas gain non ça en fait là même bon mais c'est service gratuit ça bon comme il est là OK me cliquer me choisir service gratuit ça il valider OK et puis il dit me procéder au paiement me lancer ouais il dit information transaction relevé certificat légalisé MNFP MAE prix 100 gouttes service gratuit moi c'est service gratuit ça et puis tout il passe pour moi. Il dit imprimer le e-diplôme, imprimer le e-relevé. L'ABC, lancer. Voilà. Il va me là. Et puis, je vais mettre sur l'ordinateur. OK. Mes documents, ben, hein? Il dit mon ça, il a confirmé qu'il était. Voilà, même diplôme dans le côté recevoir. Il y a en 2016, il était fait là, section C, numéro d'enregistrement, et puis tout. Merci à tout ministre, non, merci à tout ministère affaires étrangères, tout bagaille net, tout paraît dans le document. OK? Et puis, il y a un code QR là-dedans qui pour vérifier, il dit si vous remettez un monnaie pour mon encassure, que c'est un document qui valide que lui. Et puis, il me fait même bagaille là, imprimer et relever, la prendre du temps, les lancer, et puis, il me fait même bagaille là, me servir. Voilà, il y a là, OK? Mais OK, ministère de l'Éducation nationale, MNFP, mettez maintenant le document, le certificat. C'est ça. Processus annuel, il va même prendre mon bon 10 minutes. Je fais tout barrer moi, je viens de document, et puis je me lance, en fait, je vais imprimer parce que je n'ai pas tout bien l'impression là, mais je me lance et puis je me conserve sur l'ordinateur. Moi, je vais mon possibilité là, qu'on aime aller cliquer sur l'autre nom choisi. En fait, je me dis, comme moi, toute année, je ne suis pas disponible. Par contre, si l'année n'est pas là, disponible pour même regarder des vidéos. Mais, prends fichu, sous table des documents, ça y est, allez essayer pour voir si vraiment on a une information. Pour voir si Paula a marché normalement. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo ça me fait aller utile. Et surtout, est-il tout élève baccalauréat qui a suivi maintenant, qui a des problèmes, qui a besoin pour un diplôme, un certificat, soit pour le monde Port-au-Prince, qui n'a pas de temps ou pas qu'à passer à chaque moment pour faire li, qui a des difficultés pour régler ça pour nous, pour un téléphone. Vraiment, utilisez le téléphone dans l'abonnement, utilisez le téléphone pour l'utile nous. J'en dis dans l'émission, utilisez la technologie pour l'utile nous. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Merci. Et puis tout, on a pris rendez-vous pour l'autre vidéo.